stimmt von ihm. C'est plus intéressant d'habitude. Il a essayé de tuer le roi Soleil. Frère adoré. Et Faucon Soleil Talavad Khan Padish, père tant aimé. Que leurs actions et leurs sacrifices soient un exemple pour les chasseurs. Pour nous tous. À jamais. Regarde. Un monument pour mon père et mon frère, et tous ceux qui sont morts dans la fosse. C'est grâce à toi, Aloy. Merci. Alors, ça fait quoi d'être la chef? Ça fait comme un lever de soleil après une très longue nuit. C'est grâce à toi. Tu seras toujours chez toi ici, si tu le veux. Tu vas faire quoi, comme changement? J'ai décidé que les membres potentiels seraient évalués sur leurs seules compétences, même s'ils ne sont pas Karja. Ce pavillon ne sera plus le bastion gangréné de notre ancien régime. C'était quoi cette prière que tu récitais quand je suis arrivée? J'ai pas tout entendu. Ô grand soleil, unis-toi à la lune pour que nos morts trouvent le repos. Revêt-les de l'armure flamboyante de ton brasier. Que tes rayons leur fassent office de lance. Illumine le chemin des cieux pour chacun d'entre eux. Faucon Gravid Khan Morza. Faucon Sirav Khan Pir. Faucon Yousalin Khan Jagir. Faucon Kulasiv Khan Sovali. Faucon Brativin Khan Padish. Frère adoré, et Faucon Soleil Talavad Khan Padish, père tant aimé. Que leurs actions et leurs sacrifices soient un exemple pour les chasseurs. Pour nous tous, à jamais. Bon, félicitations Talana. Je dois partir. Merci Aloy, même si tu es une Nora. Puisses-tu toujours atteindre ta proie. Thank you.
Tu as de la ténacité. Ça ne s'apprend pas. Je vois que tu as un foudroyeur, mais il ne te sera pas bien utile sans charge. L'épreuve de chef de clan est un défi qui force les plus puissants chasseurs à repousser leurs limites. Seules les machines les plus grandes et les plus dangereuses seront lâchées dans les arènes. Apprends leurs faiblesses rapidement et fais ton possible pour les exploiter. Triompher et survivre, voilà une épreuve digne d'un chef de clan. Quand tu seras prête, utilise la corde pour te mettre en place. Laisse-nous un moment pour attirer les machines jusque dans les arènes. Puis, prends la corde. Si je veux vraiment faire mes preuves, je vais devoir respecter les règles. Thank you.
place. Très froid, j'ai compris. Tu finis troisième. Est-ce que tu vas t'en contenter? Je vois que tu as un foudroyeur, mais il ne te sera pas bien utile sans charge. Je me suis assez entraînée. Alors, passe à autre chose. Je devrais pas utiliser mes armes ici. Ce serait de la triche. Les meilleurs chasseurs sont ceux qui reviennent. L'épreuve de maîtrise teste la capacité d'un chasseur à maîtriser la puissance du foudroyeur. Seuls les plus sages comprennent ces armes chamaniques, et seuls les plus braves s'en servent.
Quand tu seras prête, utilise la corde pour te mettre en place. Laisse-nous un moment pour attirer les machines jusque dans les arènes. Puis, prends la corde. Profite de tes défaites comme de tes victoires. Trouve la force de recommencer. L'épreuve de maîtrise teste la capacité d'un chasseur à maîtriser la puissance du foudroyeur. Seuls les plus sages comprennent ces armes chamaniques, et seuls les plus braves s'en servent. Je compterai dès que tu seras Laisse-nous un moment pour attirer... Devoir abandonner autre chose. Tu as réalisé le troisième meilleur temps. Est-ce que ça te suffit? Pour le moment, j'arrête. Tu peux toujours revenir.
T'en veux encore ? Tu ne te fatigues jamais. Je me reposerai un jour. Mais plus tard. Je ne peux pas tout de suite. Alors je reste un peu ici ?